Nous, notre mission de chrétien dans le monde, c'est faire résonner cette joie de l'Évangile dans la société. La bonne nouvelle de l'amour que nous avons reçue gratuitement et qui nous content donner gratuitement. Ça, la joie que le Christ donne nous, il est tellement joli, il est tellement fort, qui, comment dire, il est comme la musique qui anime nous la vie, qui accompagne nous la vie. La mission de l'Église, c'est de faire résonner cette musique dans le monde comme une espérance. Notre rôle, c'est de nous ouvrir à cette joie, vivre cette joie, la partager avec tous ceux qui nous entourent. C'est pourquoi, m'a-t-il dit, jour m'a-t-il ordonné évêque dans Marie, reine de la paix, en 91, m'a-t-il dit que l'Église est comme un grand orchestre. Je reconnais qu'il y a pu y avoir ici et là quelques fausses notes de ma part, quelques faux coups de baguette. Mais je vous demande pardon pour cela. Mais grâce à vous, de beaux morceaux ont pu être joués. Une belle musique a pu résonner et qui a apporté courage et espérance à beaucoup, beaucoup de personnes. C'est beau d'être témoin de cela, je peux vous dire. Je prie avec vous et j'ai confiance que sous la houlette de Mgr Duronne, cette musique, cette joie de l'Évangile continuera à résonner au milieu de nous et jusque dans les plus lointaines périphéries, au milieu des plus pauvres et des plus exclus. Elle apportera de la joie, cette joie qui mérite d'être partagée, célébrée, chantée, parce que, les amis, c'est la joie du Christ que nous chantons. Et c'est cette joie-là qui nous fait vivre. Merci.